Oh, okay, tout le monde, j'espère que vous allez bien, Shooter, et aujourd'hui on se retrouve sur Treasure Hunt. Et aujourd'hui on va utiliser tous nos gemmes parce que j'ai farm à fond. Donc j'ai 53 000 gemmes et 5 milliards. Donc j'ai farm. J'ai fait des rebits. Donc je suis à 8 renaissances alors que j'étais à 2. Donc j'ai d'abord farm les renaissances, donc c'était simple, hein. J'avais juste à avoir un bon coffre et je recommençais, donc voilà, c'était assez rapide, surtout que vu que j'avais une bonne coiffure, ça cassait rapidement. Donc là j'ai arrêté parce que je me suis dit que ça servait pas trop à grand chose. Donc en termes de stockage, j'ai celui-là, le sac à dos coffre géant, et la loupe, celle que j'avais avant, et avant j'avais aussi celle-là, je crois. Mais finalement, on va changer. On va plus utiliser ça, on va utiliser celui-là. Bah non. La carte. Dans la zone des pirates. Donc moi je veux avoir celui-là, donc on va aller dans la zone des pirates. Je sais plus du tout où c'est. Ah, île des pirates. Donc on est parti. Ah, petit bug. Donc je crois que celle-là elle est gratuite. Hein. Oui, je peux creuser, donc elle est gratuite. Bon, ça coûte pas si cher que ça, hein. On gagne pas beaucoup. Mais on peut avoir au moins outil. La carte au trésor. 4900, 3900. 25 secondes, 25 secondes. 0,2. Allez, c'est parti. Et du coup, on va aller dans vendre. On va aller sur une autre île parce que celle-là, je l'aime pas trop. Là, on gagne que 15. Et celle-là, on gagne que 5. Ah si, en fait. On gagne pas mal. Mais il y a une autre île qui est vraiment pas mal. C'est l'île... Oh, bon, top. Vendre. Boutique. C'est l'île, pas celle-là, je sais pas comment je l'ai débloqué, mais je l'ai. J'ai surtout pas utilisé de Robux, donc dans tous les cas, je sais pas, mais je l'ai. Et elle fait du 20 au lieu de 15, enfin c'est plutôt pas mal. Et comme vous pouvez le voir, je peux creuser, donc je l'ai. On va aller dans vendre, voilà. Mais oh mon dieu, un arc-en-ciel, un coffre arc-en-ciel dès le départ là. Juste on commence et on a déjà un coffre arc-en-ciel, c'est un peu abusé. Et moi je dis pas non, parce que c'est le meilleur des coffres. Hein. Enfin je pense, pour l'instant, de ce que j'ai eu. Et voilà, vendre. En termes de rapidité, c'est pas ouf, mais ça va. C'est comme l'autre, sauf que pour casser les gros coffres comme l'arc-en-ciel, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, on va aller ici. Et on va aller dans... Pas ici, mais ici. Allez, hop. Donc, je vous remontre. Petit bug. Je vous remontre ce que j'ai, voilà. Et en termes de peinture, voilà. Donc le but étant d'avoir d'assez bons trucs. Donc ici on a 0,1 et là 0,5. Donc ici on va en acheter l'équivalent de 4000, donc 5, 15. On est parti pour ça. Et pour ça, bah, on va acheter l'équivalent de 50, donc on va en acheter 40, 35, 32, allez, 33. Voilà. Donc, on est parti. Premier opening.
pas fou. Oh, la foudre. Ah non, l'île bleue. Le Black Walk. Valk. Bon. Je pense que je vais faire une petite ellipse le temps que j'ouvre tout parce que c'est un peu long. A tout de suite. Ok, les amis, du coup j'ai tout ouvert. On est parti pour voir ce qu'on a eu. Donc je me suis pas fait spoil. Ok, déjà il y a quelques trucs que j'avais pas, mais c'est pas là où j'ai envie de regarder. Ok. Donc on a plein de trucs ici, mais pas des trucs comme. Comme là, tant pis. Et en chapeau, enfin, j'espère avoir de bons trucs. Ok, il y a plein de trucs que j'avais pas. Et là, wow! Plein de trucs que j'avais pas ici. 2800. Non, j'ai rien eu de nouveau. Par contre ici j'ai eu un nouveau truc que je n'avais pas, sûrement celui-là. Parce que normalement il y avait un... Il y avait... C'était pas dans cet ordre-là, mais bon. Pas de soucis. Ah oui, je peux faire aussi ça. Ouais, c'est déjà pas mal. Hop, de ministère. Ah, on peut les débloquer grâce au Renaissance, ou sinon on peut les acheter. Ok, j'avais pas compris comme ça le jeu. Oh non, moi c'est bon, moi je fais pas des trucs comme ça. 150. Ils ont cru qu'on avait que ça à faire. Et du coup j'ai débloqué cette zone aussi. Ah, j'avais même pas vu. 25. Ah ouais, celle-là est largement meilleure. Oh, atterrissage sur Mars. Oh non, vas-y. Dommage. Allez, on va creuser un peu. Donc ce que j'ai fait hein, pour avoir autant de gemmes, c'est que j'ai pris un truc comme la pelle dorée. Hein. Donc, moi j'ai pris la pelle dorée, mais vous pouvez prendre un truc comme celle-ci. Et vous tournez, vous hop, tiens, il y a un truc. Voilà, vous prenez. Moi la carte ou le panier de. Comment ça s'appelle ? Le panier de d'œufs, de pack, et bah c'est comme ça. Ça attaque directement, ça clique directement que les pelles et tout ça, bah ça se fait pas automatiquement, donc c'est plus précis, mais c'est plus chiant. Donc à vous de voir. Non, oh putain. Donc aussi avec l'argent vous pouvez acheter des caisses. Bon, ça coûte assez cher hein, mais vous pouvez, et c'est pas la même qualité. Tier 3, tier 4, tout ça, donc voilà. On va bien s'en acheter une hein, elle veut bien. Hop. On va avoir un truc blanc. Oh, n'empêche, pour le démarrage avoir un truc comme ça c'est super. Bon, moi je m'en fous, mais c'est pas mal. Donc si vous voulez du coup des chapeaux, tac, pas ceux-là mais ceux-là, si vous voulez des chapeaux, je peux vous en donner quelques-uns. Moi ça me dérange pas, je les utilise pas, donc vous avez juste à me les demander en commentaire et votre pseudo, et puis on pourra se faire ça, ou prochainement si j'ouvre mon Discord on pourra faire ça, voilà. Donc on va déjà s'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et tout hauteur. N'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao.